الانقلاب قائمة من بداية الزمان. لا نسقي حتى يسدر الرعاء. وذكرت العدة لماذا أتت لتسقي غنمهما، فقالت إن أبونا شيخ كبير، أبونا شيخ كبير، أبونا لا يستطيع السقاية، أبونا لا يستطيع الشرب. فأتينا نحن وفي رجل غيرنا في البيت، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، أخذ الغنم فسقى الغنم. ورجعت النسوة إلى أبيهما الرجل الصالح الذي سمي عند بعض المفسرين بشعيب عليه السلام. فتعجب هذا الرجل الصالح لسرعة رجوعهما إليه. في العادة كانوا يأخذوا كثير، في هذا اليوم أخذوا عن يسار الوقت قصير. فتعجب هذا الرجل الصالح كيف؟ فقالت لقد وجدنا رجل، يعني كما قالت في الأخير، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا أبت استأجره. تأمل يا أخي، تأمل في كتاب الله، وهذا المراد. الغاية من الدين ليس فقط صلاة يصليها الإنسان أو طهارة أو صوم أو حج. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. أمين أمين. حتى عند الرجوع لما رجعت، لما أتت إليه قالت إن أبتي يدعوك. ما جاءت بلحن القول، ما جاءت لتفتن الرجل، إنما قالت إن أبتي يدعوك بكل احترام وأداب، وتبين العلة التي جاءت بها ورجوعها إليه. إن أبتي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لما مشت أمامه، وذكر بعض المفسرين التصقت ثيابها بجسدها، فقال ارجعي خلفي ودلني على الطريق. لهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لم تستحي، سواء رجل كان أو امرأة، إن لم تستحي فافعل ما شئت. إن لم تستحي. بشفاء لطول يدخلكم. Nous avons dans cette sourate, la sourate qu'on a commencée, la sourate de Qasas, comme il a été mentionné par notre chir, rahmatullahi alayh, sahib adwa al-bayan, Muhammad al-Amin, Shankiti, rahimahullah ta'ala. Allah, il a mis dans cette sourate des récits et des preuves et des choses incroyables. Allah, il a mis dans cette sourate qui s'appelle sourate de Qasas. والله il nous raconte l'histoire du prophète Moussa alayhi salam, Al-Kalim Moussa, celui avec qui Allah a parlé, Moussa alayhi salam, le prophète Moïse. Il nous raconte. Et dans la suite, on s'est arrêté vendredi dernier, il est rentré dans la ville ou dans le pays de l'Égypte où Pharaon il avait le monopole, Al-Aqbat, les portes. Pharaon il appartenait à cette race, la race des Qobs, qui était en Égypte, où il faisait la terreur, où il fait régner la terreur qu'Allah nous en préserve. Comme on a vu le vendredi dernier, la Pharaonie ne s'arrête pas, la tyrannie ne s'arrête pas à une époque. Ou c'est pas une époque, ou c'est pas un nom propre. Il rentre, Moussa alayhi salam, il voit deux personnes en train de se chamailler, en train de se bagarrer. Là, il fait partie de Moussa alayhi salam, le fils de Bani Israël, et l'autre qui fait partie de Akbar. Et l'histoire, comme il a été mentionné par le Fassili, se courtit et dit il voulait faire porter les arbres, il voulait faire porter les branches à ce fils de Bani Israël. Et il a refusé, ils sont chamaillés. Juste à ce moment-là, où il rentre Moussa alayhi salam, comme il rentre, comme Allah Azza wa Jalla le mentionne dans le Coran. Soit c'était pendant la sieste, soit c'était entre le Maghrib et l'Isha, comme il a été mentionné par le Mufassirin. Et l'autre, il appelle, il lui demande de l'aide. Il vient, Moussa alayhi salam, il était très fort. C'était une personne très forte. Ils disent, les ulama, il a rassemblé ses mains, il l'a tapé dans sa poitrine, il l'a tué sur le coup. Et là, maintenant, c'est un crime.
Et aussitôt, mes chers frères et sœurs, mes chers frères, aussitôt allez, Moussa alayhi salam, il se rappelle. Aussitôt il se rappelle. Et aussitôt il remet ça sur nous, le fait de shaitan. Innahada min amal shaitan. Ça, la violence, la tuerie, faire couler le sang, ça appartient au shaitan. Ça appartient à shaitan. Il demande pardon aussitôt à Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal, il accepte son pardon. À ce moment-là, il y a un homme parmi qui vit avec Pharaon et qui était croyant, qui cachait sa croyance. Il vient le voir, lui dit Moussa, ils sont en train de mettre un plan pour te tuer. Sors, je te conseille. Et Pharaon, il n'avait pas le monopole à l'exception de l'Égypte. À Médienne, là où il a été aussi réfugié, Moussa alayhi salam, il n'avait pas de possibilité, comme il le conscient à Rajul Salah, quand il a le maqassa alayhi al-qasas. Il n'a pas de pouvoir sur nous. Il n'a pas de pouvoir. Mes chers frères, ce qui attire notre attention dans le livre d'Allah, dans le récit d'Allah Azzawajal dans le Coran, il faut que ça attire notre attention. Il faut qu'on le lise avec nos femmes. Quand ils rentrent à Médienne, ils voient dans un point d'eau où les bergers viennent et ils abreuvent la bête, ils remarquent qu'il y a deux femmes.